Chalon, c'est Brésil. Nous sommes en présence de Gérard Imberlin, qui est le responsable du container. Alors, le container, c'est quoi? C'est un bar temporaire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour Chalon, bonjour Renaud. Tout d'abord, le bar container, c'est bien un bar éphémère. Donc, c'est pour une durée déjà au mois de juin pour la place Foch. Et c'est le but est de susciter l'engouement sur une courte durée en apportant quelque chose de nouveau à Chalon. Donc, notamment un établissement où on puisse prendre l'apéritif et continuer toute la nuit à faire la fête. Présent sur la place Foch jusqu'au mois de, enfin pendant le mois de juin, tout au moins, des horaires spécifiques? Alors, au niveau de la place Foch, on ferme la semaine à 2h du matin, on ouvre à 15h l'après-midi, on propose des petits tapas et des petits verres d'apéritif. Et ensuite, le week-end, on est ouvert donc à 11h jusqu'à 3h du matin, le samedi, et également le dimanche, on ferme un peu plus tôt à 2h, là, pour le coup. Alors, tout ça pour l'opération Chalon c'est Brésil, mais qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de juin? Est-ce qu'on déménage tout, on ferme? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà pour l'opération Chalon Brésil, donc ça termine bien le 30 juin, et on fait quelques animations, là je vais avoir notamment du vin brésilien, on participe aussi avec la ville aux décorations, etc. Et donc au 30 juin, on remballe, mais on part, pas définitivement, on part pour le Grand Jard, où là on va s'installer au niveau du Grand Jard où ils font Chalon Plage, donc la deuxième opération de l'été. Donc on sera à côté de Chalon Plage, dans le même concept quasiment, sauf que là on sera plus tourné un peu plus vers la famille, vu que ça va plus se dérouler la journée, on va dire. Okay. Jusque quand? Donc jusqu'au 31 août, dernier délai. Okay. En fin de compte, ça bouge à Chalon, plein de projets innovants, d'autres projets à venir? Des projets dans ma tête, en cours, mais pour l'instant je peux pas. On va rester dans le mystère, dans la surprise. Eh bien, tout ça est bien mystérieux. En tout cas, c'est bien d'avoir mis en place ce bar temporaire, en fait. Le container, place Foch. Voilà. À bientôt. Merci. Merci, Renaud. Merci, Chalon.